Hey, hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Marois. Oui, vous allez remettre ça, mes petits enfants. Azénor. Oh, Azénor, va te coucher. Ouais, non, mais tu vas aller faire autre petit dodo. Petite chose à vous montrer. Une petite chose à vous montrer. On va, hop, aller en mode table. Regardez! Qu'est-ce que c'est que cette belle photo que quand on zoome dessus, c'est tout pixelisé? C'est les photos du mariage? Coucou! Oh tiens, Apollon, qu'est-ce que tu fais sur le lit? Regardez ça! Les photos du mariage sont enfin arrivées! Ouh! Bon alors, c'est un peu micmac, il y a des trous, mais qu'est-ce qu'il va faire lui? De toute façon, on va faire des photos avec notre fille aussi. Mais, d'accord. Ils ont fait crac-crac en moins de 3 secondes, quoi. Ils sont aussi rapides que ça, les vampires. Donc voilà les fameuses photos de mariage que j'ai fait du coup en micmac en dehors, en faisant une part, en enregistrant du coup juste une partie de la maison avec les photos que j'avais sorties, que j'avais sauvegardées, mais j'avais pas. Bref, j'avais micmac et on dira que c'est juste que les photos de mariage sont enfin arrivées autant après d'années d'attente. On va voir qu'il y a aussi les beaux gosses! Genre, c'est la chambre de E2. J'ai mis aussi une photo là. Toujours, hein, bien sûr. Faut pas. Hein. Ensuite, en bas, j'ai remis une photo ici. Au-dessus de la toile. On a de quoi faire. Encore une photo là. Et encore une photo ici. Voilà, bah, c'est les photos du mariage. On est content. On est mariés, tout ça. C'est le bonheur, c'est l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont aller dans tous les sens? D'accord, toi t'es reparti. T'es reparti faire tes joujoux, d'accord. Marois, elle va comment? Marois, elle nettoie. Qu'est-ce que t'as fait? Ah oui, parce que du coup, comme je laisse les. Oh la vache, elle a dû gerber. La grossesse ne passe pas, ma jolie, hein. Parce que oui, nous avons ici les deux femmes enceintes, les femelles enceintes de la maison, c'est-à-dire Marois et Nabeshima. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas, fait foufouette, ma petite foufouette? Tu vas nous faire des bébés chatons, hein? Bah oui, mais je sais pas pour quand, mais. Y est depuis le temps, tu sais, hein? T'aurais dû crever il y a un bout de temps déjà, hein, Nabeshima? On t'a gardé juste pour que tu te reproduises? Ça a été compliqué, hein? Ce fus complicus. Demande-lui ce qui va pas pour elle, parce que. Oh le ventre. Manger pour deux, quatrième trimestre dans 4 heures. Quatrième trimestre, deuxième trimestre. Et Yona, ok, elle a quoi, Nabeshima? Bon, on sait pas. Recevoir de l'amour. Ah, Kalabi s'est mis à la peinture tout seul. Ok. Bon, bah c'est cool, tu vas manger un coup, Marouette. Marouette. Tandis qu'Apollon, il s'est barré. Faire le zouave. Alors, peut-être que les fonds de la maison ont changé parce que, en fait, en réinstallant la pièce, comme je vous ai dit, là, pour remettre les photos de mariage, j'ai dû l'acheter, en fait, et on n'avait plus les fonds. Donc, j'ai dû tout casser la chambre pour remettre. Mais donc, je ne sais pas si les fonds ont changé entre-temps, mais c'est juste pour avoir la pièce avec les photos du mariage, quoi. Sinon, c'est dommage, mais on les aura pas eues. Mais regardez! Là, on va mettre un cadre. Hop! Ils sont beaux, non, nos Simsous? Nos Vampiros. Il faut que je remette les murs. Pour ajouter un cadre. Parce que je pouvais pas en mode construction. Tac. 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 C'est pas intéressant, hein, mais. Ça rajoute un peu. Après, les cadres sont un peu big quand même. Il y a plein de petites photos. Ça fait vraiment le mur de photos. Et finalement, je regrette de ne pas en avoir fait plus pendant le let's play. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, beaucoup. Surtout, bon, après, il y a cette toile-là qui est affreuse. Voilà, quoi. Alors, il y a une vieille photo où bon, Marouane était déjà habité déjà dans son appart et Caleb venait la voir en mode « je suis encore un... » Un gothique.
Et il n'y avait pas encore l'époque où ils se fréquentaient pendant le Bad Challenge. Je n'ai pas de photos de cette époque-là. Mais il fait beau aujourd'hui! Nous sommes donc encore en été. C'est canicule aujourd'hui. Bon. On verra bien ce que ça donne sur les vampires. Pour l'instant... Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Y a... Ah la femme Sabishima, elle est coincée sur le bras. Mais c'est quoi ces Sims? Elle veut faire un chant, lancer de chat. Ah! Oh, au secours! Marron est en train de martyriser mon chat. Oh non, regardez, elle a mis le chat à ses fesses. Vas-y. Mais on pourrait pas déboguer. Il faut faire un reset sim plutôt. Oh là 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 là. Déjà, reset sim. Marwa. Va tort. C'est bon? T'as laissé la chatte tranquille? Oui, c'est bon. Ah oh bah dis donc, c'était quelque chose, hein. Tu peux manger? J'aime pas en fait quand baisser les murs parce que je vois plus les... Je vois plus... What? Ah non, j'ai cru voir 1600. Oh putain, Caleb, t'as du taf à faire encore. Hein. Tu vas reboire un coup parce qu'il faut te nourrir. Calebou, il danse. Il est 7h du matin. Calebou, tu vas reprendre aussi un peu une... Un petit truc de vampire, là, un petit machin. On a de la thunasse, ça va. Tu vas me faire une toile confiante à 100 simflouz. En fait, j'aime pas quand les murs sont tout à fait baissés comme ça. Mais regardez, si je fais complètement les murs, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, j'adore les fenêtres comme ça. Ça me... J'adore ça, j'adore les voir. Mais effectivement, c'est un peu relou pour ce qui est de se déplacer. Mais c'est beaucoup plus joli. Qu'on se le dise. Bon, on a Rieko qui nous envoie un texto. Donc on va pas y aller. Mais ça me fait penser que je vais encore aller vérifier. Suspense. Alléluia! Elle a enfin mis bas. Non mais franchement, quoi, elle a mis une semaine à accoucher, c'est pas possible. C'est une fille, Céline Tanaka. Et c'est là donc la cousine... De Azenor, et ça c'est cool. Il faudra qu'on aille voir à la maison du Bad Challenge pour faire connaissance avec le petit monstre. Surtout que nous on en a un deuxième qui pousse là. Fille, garçon, chat, chien, alien, vampire, et tout le tralala. Oh, il y a des mauvaises herbes. Tu vas pouvoir désherber, vendre plasma fruit. Non, tu vas désherber. Tu peux pas l'arroser. Ouais, par contre, tu récoltes. Parce que bon, nous, le plasma fruit, ça nous sert. Donc, on va le garder tranquillement dans nos poches. Ah, Apollon, il est là. Coucou, Apollon! Aujourd'hui, ça se voit. C'est tout est beau. Là, il n'y a pas d'orage. Il fait super beau. C'est dommage qu'on puisse pas aller à la plage. Mais peut-être plus tard, quand un add-on... On dirait qu'il y a un add-on à côté pour l'instant. Ouais, bah c'est super. Et t'as désherbé? Je sais pas si... Oui, t'as désherbé. Par contre, tu peux pas faire... Pas faire des recherches un peu, je sais pas. Peut-être qu'il y aura un truc intéressant à voir. Mais arrêtez de vouloir danser toutes les 12 minutes, c'est pas possible. Oh, Nabushima, elle dort! La grosse mémère! On voit pas trop son bidon. Du moins, il n'y a pas de signe comme quoi... Oh, la fifi! Oh! Il n'y a pas de signe comme quoi elle est en cloque, quoi. De toute façon, ils vont popper comme ça, là, les petits. On va rien comprendre. Ça va faire. Faut que je la suive. Suivons-la. Tudoum, tudoum. Tudum, tudum, tudum. Ça va, les escaliers sont pas du tout hauts ici, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux regarder la collection? Il y a Apollon qui se pointe. Ma! Les menus. Quoi?
Alexandre Gauthier qu'il est mort, qu'est-ce qu'on s'en fout? Putain, mais faut arrêter avec ces textos là, ça va être chiant. Les chats, vous allez pas au bord de la terrasse, moi ça me fait peur. Bon. Très bien. Elzenor, elle dort encore, puis elle va se lever parce que faut qu'elle mange là. Il est 10h du matin, cocotte, hein. Ouais, tu vas y manger un truc. Si tu trouves, Marva fait des recherches. Ok. Rapport des droits d'auteur, 9 Simflouz et 1421 pour Caleb. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouais, donc je disais à Zenor, si tu peux trouver des trucs à manger. Bon, il y a le gâteau au chocolat, c'est parfait. Ah, c'est beau quand c'est illuminé comme ça dans la maison. Ça change le dernier épisode où il faisait sombre, vu qu'on a vu de l'orage toute la journée. Marwa, tu vas, si j'arrive à me diriger, où vendre cette superbe toile. Faut qu'on se fasse un petit peu de pognon. Ouais, ça va, on est encore... Tu vas nous faire une toile classique à 100 simflouz. On verra après... Combien on va gagner. Oh, 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 le travail a commencé. Nabeshima va mettre bas. Nabeshima va mettre bas dans notre chambre. Elle va tout saloper. Ah, punaise. Alors, je vais baisser les murs parce que... La tête qu'elle fait. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais ça m'agace. Parce qu'en fait, je suis pas dans le... Je suis pas à l'intérieur de l'appart. C'est ça, un truc comme ça. Donc, on va aller à l'intérieur de l'appartement. Là, on va faire tab. Et on va avancer, puis se tourner pour voir Nabeshima tirer la langue. Tête! Eh bé, tu fais peur! Pardon, excusez-moi, on est où? J'ai ma souris qui est partie en vrille. Allez! C'est pas ce que je voulais faire, je voulais faire play, mais c'est pas grave. Mais what? Je suis désolée. Ça doit être tellement insupportable. Ah! Est-ce que je suis pas dans l'appartement? Voilà. Go! Attention, elle tourne et elle va accoucher en tournant, c'est ça? Allez! Est-ce qu'on doit faire un truc, d'ailleurs? Je sais même pas. Caleb! Faut faire quelque chose? Je pense pas. Par contre, elle a... Ah ouais, elle a le comportement vraiment d'un minou avec la gueule ouverte comme ça. Regardez. Oh, pauvre mémère! Pauvre mémère! Je sais pas s'il faut faire quelque chose. Il faut l'emmener chez le veto. Mais va pas sous le canapé. Oui, on va pas voir ce que tu fais. Bonjour, je m'ennuie. Bah, je m'en fous. Je sais pas... Est-ce qu'il faut l'emmener chez le veto? Je sais pas. On dirait qu'elle danse sur la musique là. Regarde, y a ta maman qui est là. Oh bah oui, Fifi. Je sais pas, hein, ce qu'il faut faire. Soin donné aux animaux. Changer de tenue. Mais donc, on s'en fout, quoi. Bon, tu mets bas quand tu veux, Nabeshima. Là, on va pas te suivre pendant une heure. Hein. Oh, elle a refait cette toile. Tu vas la vendre à un collectionneur. Mais t'es qui, toi? Ah non, c'est bon, elle est pas chez nous. J'ai rien dit. On attend juste que tu nous fasses des petits.
Tu nous préviens quand c'est le cas. Bah, c'est sûr qu'elle allait accoucher avant d'empêchement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle part avec son daron. Tu peux lui apprendre des choses, Caleb. Passer un savon. Montrer des photos de Salvadorada. Ah bah oui, regarde ma chérie. En fait, ça... Oh là! Elle vole! Mais c'est quoi ce jeu? C'est full buggé. Alors, elle disait... Tu vois ma chérie, ça c'est la location qu'on avait. Ah bah voilà, un chaton aîné femelle. Durant. Bon non, j'aime pas mettre des noms de famille au chat. Alors, non. Du coup, ce sera... Athéna. Parce que le papa, il s'appelle... Apollon. Et encore un chaton femelle. Ouf, moi, j'aurais voulu avoir un petit garçon. C'est pas grave. Mais ce sera... Merde. Je sais pas écrire. Et bien, ce sera Aphrodite. Les deux petites femelles. Ah, je suis devenue une Inabeshima. Oh my goodness. Aphrodite, elle est nerveuse. Bah, c'est super. C'est des full Inabeshima, quoi. Mais non, il n'y a pas eu de gène transmis. Apollon, il n'a pas servi à grand-chose. Oh, elle est trop mignon. Regardez, il fait la gueule, Apollon, parce qu'il n'a pas servi beaucoup... C'est trop chaud! Bah, du coup, hein, vu que c'est deux fois le même pelage, on en mettra un à l'adoption. Hein. Regardez-moi ce petit machin! Oh! Alors, Azenor en était là-bas, oui, donc maintenant les chatons sont nés. Tu vas travailler tes skills, coquine. Hein. Tu vas dire. Voilà, illumine la journée. Tu vas faire l'imbécile. Se plaindre de la canicule. Ouais, bah t'es en pyjama en même temps. Tu vas faire des grimaces. Pourquoi elle chante? Tu vas illuminer la journée encore. Tu vas... Faut que tu sois une gentille fille, bien élevée. Papa, après, il va faire sa life aussi. Hein. Tu peux lui apprendre des trucs à ta fille ou pas? Donner un cours d'archéologie. Oui, d'accord. Tu viens parler avec... inviter Azenor à danser. Non, mais tu vas venir parler avec ta fille. Enlacée. Voilà. Amical. Rien. Illuminer la journée. Ça va mieux quand même au niveau des... De sa relation avec sa fille. Ah oui, vous voyez, on voit les trucs de chaleur qui passent. Est-ce qu'il fait vraiment trop chaud dans la maison? Mais... Bon, ils sentent rien. Elles non plus. Illuminer la journée. Complimenter. Demander à toucher le bébé. Le sens sur le trait caractère amical pour Athéna. Parfait. Oh punaise, Marois, t'as pris du bidou, hein? Troisième trimestre en 18h. Ben oui. Hé, hey, quelqu'un a envie de faire de l'exercice car je suis là pour vous motiver. Super. Oh, il y a un petit bug, hein, tout va bien. Bon, tu vas... Par contre, tu vas t'habiller, hein. Tu vas quand même te mettre en tenue. Bah non, tu vois, tu vas aller à la douche, puis aux toilettes, puis tu vas remanger. Bazou. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Ah, vous discutez en étant comme ça. Coucou, Inabeshima. Parce que maintenant que... On a deux copies conformes de toi, deux clones. Ils sont là, les clones. Regardez-moi tous ces petits bébés.
Comme quoi, même si on les peint d'une certaine manière, ils gardent quand même le pelure, quoi, le pelage, la pelure. Comme les patates, les chats, ils ont des pelures. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Ah, ils ont la dalle! Caleb! Je pense que c'est ça, la tête d'Apollon, c'est « J'ai la dalle! On me donnait à bouffer, oui ou merde! » Voilà. Oui, je pensais que c'est ça qu'il avait. On dit bouge de là pour qu'il puisse aller manger. Ok, ouais, elle va manger tout ça. Regardez-moi toucher Minou! C'est trop chou. Oh, elles se font des bisous, les petites! Oh, c'est trop mignon! C'est vrai qu'au niveau des yeux, elles ont pas les mêmes yeux que maman. Elle a les yeux jaunes. Elles ont toutes les deux les yeux jaunes. Sauf que Nabeshima a les yeux bleus. Donc en fait, elles ont juste les yeux de leur père. De Apollon. Ben, mange, idiot. Tu vas appeler Apollon. Parce que là, il est con. Ah bah tiens, on va lui demander... On va dire bonjour à Stéphane. Accepter de s'entraîner. Allez, on peut. Donc il est coach sportif. Alors? C'est marrant ça. C'est nouveau aussi cette interaction, accepter de s'entraîner et tout. Folâtre, Athéna est folâtre, comme sa mère. Mais... Ah, vous allez vous entraîner ici? Je sais pas trop. J'ai pas tout compris, je crois. Ah, ouais, lui, il fait ses pompes, hein. Oh, il est parti embrasser sa femme. Oh, que c'est mignon. Arrête avec ton verre d'eau, toi. Barre-toi avec ton verre d'eau. T'as pas été te doucher, Azenor? Tu te fous de moi ou quoi? Ça se passe pas comme ça chez nous ici, hein. Tu vas te laver quand on te dit d'aller te laver. En plus, t'aimes pas le foot. Bon, c'est un bon point pour toi. Va te laver. Hein, tu vas te changer, tu vas te mettre une tenue et après, on va faire des photos ensemble. Pour mettre sur notre mur. Et puis, tu as mangé le gâteau, oui, avant que Apollon, qui est en train de s'accoupler. Putain, mais eux, ils s'accouplent aussi là. S'accoupler avec le vase. On sait pas trop. Est-ce que tu peux aller dans la piscine, Marouette? Marouette. Tu viens ici un peu? Voir le fait qu'on est vampire, ça fait un effet ou pas? Voir dehors, en fait. Vu que c'est la canicule. C'est quand même une putain de belle vue, hein. Oh, la lune, elle monte. Elle est gigantesque, la lune, chez les Sims. Comment tu te sens? Bah, écoute, elle se sent bien. Tu vas pouvoir nager un petit peu? Histoire 2. Alors, je crois que je vais changer son maillot de bain, mais je sais plus. Ou alors, j'en ai mis plusieurs. Je sais plus trop. L'eau est bonne. Nage par temps chaud. Une baignade dans la piscine dans une chaude journée d'été est exactement ce qu'il faut pour oublier la chaleur. Bah, ouais. Voilà, va nager un petit peu. C'est la belle vie, hein. Moi, je vous le dis. La belle vie des Sims. T'es trop belle, ma roi. T'es beaucoup trop belle pour nous. Nous sommes trop... Trop. Nous sommes trop... Voilà, Azenor, selfie. Avec ses dents pourries. Tu vas prendre une photo avec ta fille, tiens. Prends une photo avec. Oh, la voisine est dans le coin. Mais non, on s'en fout.
Ah, tu peux pas avec un enfant? Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi on peut pas faire de photos avec un enfant? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu joues à la poupée? T'as régressé? Ok. Bon! Et si on faisait un petit événement social, les enfants? Occupée, où est-ce qu'elle a école? Il n'y a rien, il se passe rien. Bon, on va voir ça tout doucement. Ouais, bah c'est dommage, je crois qu'on peut pas, je peux pas faire la pool party, avoir la soirée piscine et tout. En fait, on va faire juste une petite fête privée. Je pense que déjà ce qu'on avait fait la dernière fois pour la crémaillère, et ça c'était pas terrible. Donc on va inviter tout le monde. Tout le monde, et Lilith, Rieko. Un peu tout le monde qu'on a l'habitude de voir, quoi. Et un traiteur, on va recruter un, parce qu'il y en a qui mangent encore, je crois, humain. Enfin, humain. Qui mangent humain, non, qui mangent juste normalement, quoi. Ah, la relation, ça va pas. Ouah! Ouah! Bon, alors bien sûr, Marwa, elle a pas de hanches, mais elle a du bidou. Mais waouh, quel BG de sa mère. Toi magnifique, Marwa. Et toi, tu t'habilles pas, Caleb? Change de tenue un peu. Tu vas mettre quoi? Toi, tu vas mettre ta tenue d'été. Ouais, BG. Tu vas prendre manger un petit coup, et alors tu vas flirter. On va flirter 5 fois. On va faire un petit baiser passionné. Allez, Marwa, elle est juste tellement magnifique. Amour, draguer. Hop, hop. Caresser la joue. La Gaston qui est aussi bien enceinte. Ouais, de caresser la joue, je sais pas. Qui sait quoi? Mais non, mais j'en ai marre. Et plus jamais je décroche, hein. Ah, c'est bon. Exprimer son affection. Être désirable. Brasser la joue. Et Caleb, il va aussi la chauffer un peu. Faire craquer dans le cercueil. Oui, enfin, vous êtes censé faire une fête, en fait. Baiser passionné. Et être désirable. Voilà! Au moins, ça c'est fait. Alors, ma petite Azénor, tu vas faire connaissance avec tout le monde? Bah quoi? Regardez, Rieko, elle est plus énorme. Elle a enfin accouché. Par contre, Gaston, je pense que c'est lui qui a repris le truc. Hein. Oh! Par contre, elle s'entend pas du tout avec Gaston. Il y a une journée. Oh, Lilith, elle est là. Complimenté. Illuminer la journée. Là, on a notre traiteur. Il nous manque encore quelques petites personnes. Oh, Marwa, elle bouge son corps. Tu vas remercier d'être là et tu vas lui annoncer à Gaston qu'on a un petit nouveau en prévision. En prévisite. Oh, en prévision à Lilith aussi. Ils sont en train de. Caleb. Lui, il est en train de les embêter, c'est trop chaud! Tu vas essuyer. Ils sont en train de boire et jouer dans la flaque d'eau et lui, il joue avec ses filles. C'est trop mignon. On dirait pas que c'est ses filles, hein, mais bon. Oh, les tout petits minous. C'est adorable. Elle va discuter avec tout le monde, Azenor. Maintenant que c'est une grande, qu'elle peut parler à tout le monde. Alors, faire en sorte que les Sims s'embrassent. Oui. Il n'y a pas de problème. Embrasser la joue. Oh, les petits bébés qui miaou-miaout. Qui miaou-miaout. Faire écouter la chaîne Ifi. Ouais, on va faire ça. Oh là là, ça c'est la derrière de la télé. Est-ce que ça compte? Oui. Faire écouter la musique de la chaîne Ifi en plus, à plusieurs. Alors, on va déjà changer de station à mettre. Alternative, on va mettre fort.
Et va écouter de la musique alternative. Toi, tu vas aussi écouter de la musique alternative. Et toi, tu vas aussi écouter de la musique alternative. On dirait que t'as Apollon qui est en train de danser sur la musique. Ah, il faut socialiser avec les autres, hein. Avec les invités, je veux dire. On va illuminer la journée. Sa sœur, on va illuminer la journée aussi. Rieko, on va illuminer la journée aussi. On s'en fiche. Remercier d'être là. Tout le monde n'est pas venu, hein. Genre Angélique, je l'ai pas vu, hein. Bon, ça, tu peux arrêter d'écouter. Tu peux arrêter d'écouter. Et tu peux arrêter d'écouter. Encore complimenter, faire l'imbécile, joueur Aphrodite, d'accord. Remercier d'être là. Qu'est-ce que tu fais à bouffer, toi? Non, viens là. Ah, il doit devenir joueur. Ok, complimenter l'apparence. Non. Non, pas de drague. No way, pas de drague. Illuminer la journée. Merci d'être là. T'inquiète pas, Marwa va coucher plus vite que toi, hein. Mais il y a encore... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Non, je sais pas ce qu'il fait. Tu vas aller manger aussi, cocotte. Attends, bah attends que... Ça y est, on a socialisé, faut boire. Bon, tu vas prendre un verre d'eau. Voilà, comme ça. Ce coup-ci, c'est autorisé. Calez-vous. Avec ta chérie. Tu vas faire un petit massage. Des familles. Quoi? Ah oui, non. Mais non, il faut que tu fasses un massage à ta femme. Tu rigoles ou quoi? Je me suis gourée, moi. Faire un massage, c'est ça. Voilà, c'est ça que je voulais. Ça va lui faire du bien, hein. Tu sais, elle est enceinte, hein, donc... Ils sont tellement, tellement, tellement amoureux. T'as bu un verre d'eau, ça m'a pas marqué comme boire. Bon, d'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta mère? Danse. Non, qu'est-ce que je fais? Tu vas prendre de l'eau, toi. Et toi aussi. Faire en sorte que les Sims deviennent joueurs en même temps. On va regarder la chaîne humour, là, je sais pas quoi. Regarder la chaîne... Humour. Voilà. Il faut qu'il y en ait trois. C'est bien, on a trois humains. Regardez la chaîne actuelle. Enfin, humains. Trois qu'on peut contrôler. Et je vais y arriver, hein. Je sais plus parler, moi, au bout d'un moment. Ça devient grave, hein. Bon voilà, petite soirée à la maison, quoi, dimanche. Bon, la petite, elle va à l'école le lendemain, mais bon, on est tous des vampires, sinon on dort pas, on s'en fout, quoi. La vie est belle. Bon, pour boire, ça fonctionne pas. Hein. Trait de caractère nerveux pour Athéna. La peur de quoi? La télé? Je ne sais point. Alors, un joueur, c'est elle. Il faut que tu racontes des blagues, je pense. Taquiner de manière délicieuse. Malicieuse? Délicieuse. Oh là là, drôle. Faire une grimace. On va les faire interagir. Oh! Non, mais pas dans l'amour, c'était dans le drôle que je voulais faire. Black Toc Toc qui est là. Bon, les Vatorés, là. Voilà, hein. Faut qu'on se marre ce soir. Ce soir, faut qu'on se marre. Faire des grimaces. Il la regarde, genre, pourquoi tu te marres, toi? Faire une imitation.
Fais un bien sur la mode. C'est bientôt fini. Ça y est. Bon, on aura que l'argent. Hein. On n'arrive pas à boire, nous. On n'est pas des alcooliques. Nous, on est comme ça, on sait pas. Mais pourquoi elle a fait un gâteau, elle? Elle est con. On va enlever les bougies, on n'a pas besoin de gâteau, nous. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu nettoies ça? Oh, le bordel! Récompense. Bon, on a médaille d'argent. C'est un vrai mort-merdier, là. Petite, tu vas pisser, puis après tu vas manger. Oui, bah tu manges ou tu pisses, enfin tu fais ce que tu veux. Avec tous les minous, là. Qu'est-ce qu'elle fait avec sa petite... Oh, elle lui fait des léchouilles. Oh, c'est trop chou. C'est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Soin donné à des animaux. Je sais plus comment on fait pour proposer à l'adoption. Bon, on va baisser le volume. Ah ben, elle mange sur les toilettes, c'est logique. Bon, ben voilà, on aura eu pas mal de petites... Tu peux nettoyer, s'il te plaît, à Caleb? Je t'avais demandé de nettoyer tout ça. Oh, tu vas reprendre un gâteau, non mais... Ranger. Marwa, tu vas mettre aussi... tu vas ranger tout le merdier, là. Il y en a partout. Elle a fait beaucoup trop de bouffe. Oh, il y en a une qui va aller bouffer les trucs, je le sens. C'est le merdier dans la baraque. Toi, tu manges. Ok, c'est bien. Et après, tu pourras aller te coucher. Tu vas jouer un peu avec ça. Et après, tu iras au dodo. Ce sera déjà pas mal. Nuageux et chaud. Ok. Marou. Ah non, je décroche pas. Si on peut encore savoir qu'il y a quelqu'un qui est mort, je préfère pas savoir. Ranger, ranger. Voilà. Ça. On va le mettre nous-mêmes. Alors pour Paris, ou pas d'ailleurs. Super. Tu pourras nettoyer. Non mais là c'est Beans, hein. Ça aussi tu peux nettoyer du coup, Cocotte, s'il te plaît. Et puis on est bien. Oh, on a une petite fille qui est là, Aphrodite. Bon ben moi je suis contente parce qu'on a une au bébé chat et on a 4 chats quand même dans la maison et 3 filles. Il reste qu'une place, donc effectivement Marwa pour l'instant. Elle aura qu'un seul enfant, ce qui est déjà pas mal. C'est quoi, on va éteindre parce que j'en ai marre que vous dansiez toutes les 5 secondes. Tu vas aller prendre une douche, ma belle. Calibou, bah il va bien. Calibou, ouais, il fait sa vie. Tu peux remplir ça du coup? Parce que j'ai l'impression qu'avec 4 chats, à mon avis, ça va être compliqué. Ça, tu peux le ranger aussi. Je pense qu'Azenor, elle aura assez à bouffer pour toute sa vie là. Jusqu'à temps qu'elle soit ado, en tout cas, parce que quand elle sera ado, elle sera vampire. Il faudra la faire attaquer les gens. C'est chose qu'on n'a pas fait depuis un bout de temps. Et on n'a toujours pas eu. Ne pas boire sans autorisation de... Non mais... C'est pété en deux, ce truc-là. Hein. Parce que ça fait plusieurs jours qu'on fait qu'ils passent et qu'ils sont pas... C'est pas... Bref. Tu vas nettoyer... Essuyer parce que les chats, ils vont venir faire les cons dedans, hein, Cocotte. Voilà, je pense que là on est bien. Lui il est parti faire quoi? Parti regarder la télé. Ben non, vous allez peindre un petit peu. Toi tu vas faire une toile en jouet. Et toi tu vas nous faire une toile abstraite de Sans Simflouz. Et moi c'est là-dessus que du coup je vais vous quitter pour cet épisode. Un petit peu à la cool, on profite, les amis, tout ça. On a eu nos bébés chats. Il était temps, depuis tout ce temps. Bon par contre, c'est juste que c'est des copies conformes. Elle est dans le four? Ah non, elle est là. Putain. Des copies conformes de leur maman. Oh, mais regardez-moi, c'est beauté. Ah ben non, on peut pas. C'est trop mignon. Il fut temps quand même. Alors, ce sera peut-être dans l'épisode prochain qu'on aura le bébé Vatore.
Lumière naturelle, caractéristique du terrain. Ouais, triomphe d'hôtesse, ok. Et puis, troisième trimestre dans 5 heures. Effectivement, dans 5 heures, ça fait 9 heures du matin à peu près. Peut-être aurons-nous le privilège d'assister à la naissance de l'enfant prodige, du deuxième enfant du couple. En attendant, je vous embrasserai fort et je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode de Marois ou d'autres choses. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner. Allez, salut!